Shavua Tov, Mishut Merev Rabotei, je vous souhaite à vous tous bonne fête de Purim. Eh bien, je sais que vous êtes en train d'inaugurer, construire une synagogue, un Beit HaMidrash à Rehov Hillel Yafé, sous la direction de Rav Stibun Shalita. Je voudrais vous dire que la fête de Purim, c'est le symbole de l'unité, la joie, la Yehudim Aïta Ora Bissimha Bissasson Vika, au retour à la Torah, le retour à la religion. Alors vous savez que combien on doit dire merci à Haman. Quelque part, Haman, il nous a rendu un grand service. Tout d'abord, déjà une fois par an, on se réunit. Une fois par an, on se donne des cadeaux dans la joie, Mishtoah Manot. On pense non seulement à la famille, mais aussi aux amis. Et aussi, Mishtoah Manot et les cadeaux, la tzedaka qu'on fait aux pauvres. Et aussi la préparation de Pessah, parce que tout de suite après Purim, on commence à se préparer bien pour Pessah. Et bien sûr que Purim, c'est la fête aussi de Kimou Vikiblo, que le peuple juif a reçu la Torah avec joie, avec amour. Parce que nos sages disent qu'un matin Torah, que lorsque Hachem nous a donné la Torah, on n'avait pas le choix, on ne pouvait pas dire non à Hachem. C'est-à-dire que on a accepté, on était même prêt à faire avant d'écouter. Bon, on n'avait pas le choix, parce qu'on était entre les mains d'Hachem. C'est comme un enfant, et il n'a pas le choix, il dépend de ses parents. C'est quoi qu'il grandit, qu'il devient autonome. Alors là aussi, on n'avait pas le choix, on était dans le désert, et donc on était obligé d'être sous l'égide de Hachem. Donc quelque part, il y avait un honnête, il y avait une force, ils n'avaient pas le choix, ils ne pouvaient pas dire oui avec joie, ils ne pouvaient pas dire non, parce que ce n'est pas possible. Donc, ils ont dit « Na'aseh v'nishma ». Mais à Purim, lorsque les Juifs, ils ont vu le grand miracle qu'Hachem a fait avec eux, lorsqu'à Purim, ils ont vu l'amour que Hachem porte au Bnei Israël, là, vraiment, ils ont dit « Na'aseh v'nishma, kimu v'kiblo ». Là, ils ont dit « Hachem, là, vraiment, on t'adore, on t'aime, Allah, ta Torah, elle est super. Merci à Hachem, vraiment. » À tel point que ce Kimou Vikiblo, ça a poussé même les non-juifs à se convertir. On n'a pas vu, à Matan Torah, que des gens se sont convertis. Avec tout ce qui s'est passé, on n'a pas vu. À part Yitro, qui est venu, qui s'est converti, mais on n'a pas vu d'autres. On n'a pas vu que Matan Torah, le Matan Torah, le vrai Matan Torah qui s'est passé dans le désert, on n'a pas vu que c'est le Matan Torah qui a fait un effet sur le monde. Pourquoi? Parce que ils ont reçu la Torah avec honnêteté. Ils n'avaient pas le choix. Mais à l'époque de Mordechai et Esther, qu'ils ont vraiment reçu le Matan Torah, Beratzon, avec joie, avec volonté, ça a fait une hashpa, ça a fait une influence, comme même les Goyim, ils sont convertis au judaïsme. Ça a fait un effet extraordinaire. Donc, vous comprenez pourquoi Mishinechnas Adam Babi Bissimha. Lorsque le mois d'Adar il arrive, on doit se réjouir. Pourquoi? Parce que on doit se réjouir, ça veut dire quelque part on doit faire un bilan. Esbemet, on fait la religion avec joie ou on la fait avec. On ne la fait pas avec joie. Et c'est ça, c'est important ce que je suis en train de vous dire. Donc, Baruch Hashem, on entend des synagogues qui s'ouvrent, des Beit HaMidrash qui s'ouvrent. Ça prouve qu'on fait ces choses avec joie. Ouais. Sinon, pourquoi on va faire ça? Donc, mes amis, je vous souhaite à vous tous la bracha, la tzlaha, la santé, la joie, la prospérité. Bisot Rabbi Pido soit avec vous, Keneratson. Et c'est à vous de rabbin, Rav Stibun, que Hashem il aide à diffuser la Torah à Hedera, et que Hachem vous protège
et que vous soyez toujours dans l'unité unie. Et n'oubliez pas les prières le matin, l'après-midi et le soir. Le Shabbat, n'oubliez pas d'étudier la Torah, être unis, aider ceux qui n'ont pas les moyens. Et Bisrot Rabbi Himpido, que Hachem vous aide. Je vous ai envoyé quelques livres avec l'intermédiaire de David Akoka. Donc, si jamais ça vous plaît ces livres, et que ceux ils désirent ces livres, alors vous pouvez demander à M. Akoka qu'il crée à son frère à Paris, et nous, on vous envoie ce que vous avez besoin. Que le bon Dieu protège, Amen, Katson. Amen, Amen. Bonne fête.